Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur la chaîne des éditions Arca pour une émission qui s'appelle « Ils l'ont dit sur YouTube ». Alors, la citation du jour est une citation de René Guénon, philosophe, métaphysicien, figure intellectuelle éminente du XXe siècle, chantre de la tradition primordiale. Il meurt au Caire dans les années 50. Alors, peux-tu nous lire la citation du jour ? Alors, cette citation de René Guénon, c'est « L'individu contemporain ne veut plus apprendre, ne veut plus souffrir, ne veut plus subir. » Alors, on connaît ça un peu René Guénon pour l'avoir étudié. C'est symptomatique chez lui de ce que peut représenter la société de consommation, et notamment il met contemporain. Donc la première approche, moi, de cette phrase, c'est de me dire que tout doit arriver à l'individu, comme on dit, tout cuit, c'est le prêt à porter, c'est le prêt à manger, c'est le prêt à faire, c'est le prêt à sortir. Et bien sûr, avec pour corollaire d'avoir autant de béquilles que tout ce qu'il va recevoir sans effort, tout ce qu'il va recevoir, bon, certains parlent d'assistanat, hein, on voit à quoi ça peut mener, il en faut, il en faut. Mais chez Guénon, c'est quelque chose de rédhibitoire parce que ça n'incite pas l'individu à évoluer. Alors on peut comprendre quand même chez Guénon son époque, hein, replaçons-le dans le temps, cette phrase, Guénon est mort en 1951, on peut imaginer, c'est une phrase du début du XXe siècle, par là, de quelqu'un, hein, qui a vécu au début du XXe siècle. Donc on peut s'imaginer qu'aujourd'hui, ne plus souffrir, c'est une réalité. D'ailleurs, la société moderne résonne sur la fin de la souffrance, hein, mettre fin à la vie, il y a encore des débats éthiques là-dessus. Hein. Donc là, on peut dire que cette phrase n'est pas vraiment dans le sens aujourd'hui. Il y a une raison de ne plus vouloir souffrir. Hein. Ne plus subir aussi, on voit à notre époque la liberté, ne plus subir l'oppression, ne plus subir les autoritarismes. Ça, c'est une vérité qui aujourd'hui a pris un sens différent. Donc cette phrase de Guénon, sur le plan souffrir et subir, je dirais, n'est plus dans le contexte de nos jours, malheureusement, mais enfin, c'est peut-être aussi une bonne chose pour nous. Alors il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. Guénon dit, mais et on sait qu'il est censé, Guénon, c'est quelqu'un très intelligent, un esprit supérieur, disons. L'individu contemporain ne veut plus apprendre. Et moi, j'arrêterai là, cette phrase. Hein, je l'aimerais souffrir et subir, ne veut plus apprendre. Et ça, c'est grave. Alors c'est grave. Pourquoi? Parce que l'apprentissage, c'est quelque chose de fondamental. Apprendre un métier, hein, apprendre à se comporter, apprendre des bonnes manières, pourquoi pas, hein, sans être dressé, hein, c'est pas ça que signifie le mot apprendre, mais Guénon, là, quand on sait cet auteur, ce qu'il a pu lire, ce qu'il a pu écrire dans sa vie, la quantité de recherches qu'il a faites pendant toute sa vie, donc ne plus apprendre, effectivement, à mon sens, ce serait quelque chose qui signerait la fin d'une société, la fin d'un monde. Enfin, la fin douloureuse, hein, parce que quand on n'apprend plus, on n'est plus à même de comprendre et faire la différence entre le bien et le mal. Mais je trouve ça très grave. Ben merci à toi, et à bientôt sur les ondes pour une autre citation. Merci Thierry.